Oui, pour la Normandie, là. Elle est bonne 73, là. Ok, bien pris, là. Ça passe super bien, en plus, là. Donc, la station, je vous fais retour micro, là, pour me revenir avec l'indicatif. L'opérateur et le département en avant. Ouais, ok la marque, hein. Bah, ok, bah, moi aussi, hein. C'est également 59 de mon côté, hein. Voilà, Marc, hein. Donc ici 14 Charlie Bravo 050, hein. L'opérateur ici est Fredo, depuis la Normandie, hein, département 50, hein. Voilà, le petit village ici est Couville. Charlie, Oscar, Uniforme, Victor, India, Double Lima, Echo, là, Couville, QSL, Marc. Petit village, Couville, pas de problème. 14 Charlie Bravo, 0,50. Ouais, ouais, non, non, ça arrive en de très très bonnes conditions. Voilà, j'ai attendu l'appel, j'ai suivi, il y a du monde qui a appelé, apparemment c'est pas passé. J'ai attendu un peu mon tour, je pensais quand même que tu étais reparti sur le 3x5, mais c'est pas grave. C'était pour ça, la radio, on y est ou on n'y est pas. Voilà, non, non, mais bon, t'as répondu, c'est l'essentiel. Voilà, j'espère que sur la Normandie, tout est ok, hein, qu'il ne fait pas trop trop chaud, comme ici, c'est dans le sud-ouest. Hein. Là, aujourd'hui, c'est monté encore en bonne température. Voilà, Fredo, petite ville, Couville, il y a combien d'âmes là? Moi, je suis à côté de Nogaro, November, Oscar, Golf, Alpha, Romeo, Oscar, petite ville aussi là. Et bon, petite ville, il n'y a pas trop d'opérateurs de radio, voilà. Département 32, on n'est pas nombreux à faire la radio, là. Voilà, Fredo, retour. Ouais, ok, la marque, hein, il n'y a pas de souci. Bah ici, dans le petit village, là, on est, bah, je pense qu'on est, il n'y a que moi, et puis un autre OM, là, qui est à quelques mètres, qui habite un petit peu plus loin, dans les maisons plus loin, là. Bon, lui, c'est un radio amateur, c'est différent. Mais voilà, autrement, non, il n'y a pas grand monde ici dans le petit village. Autrement, si à quoi 15 km de la maison, là, donc sur Cherbourg-Octeville, hein, quand on va plus sur la ville, là. Bon, il y a des gens qui font encore de la CB, hein, qui sont en fixe, mais bon, le problème c'est que ils font plus du local, hein, donc plus souvent sur le 27-185, hein, mais c'est ils font de l'écoute, hein, c'est que de l'écoute, et c'est bien dommage parce que bon, quand on lance un appel, ça m'arrive de temps en temps d'aller sur 27-185 et puis lancer un appel, mais personne répond, c'est bien dommage parce que. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu. Mais je sais qu'il y a des stations qui sont à l'écoute, hein. Mais bon, bah, ma foi, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Voilà, mais bon, je trouve ça dommage d'avoir une radio et pas s'en servir. Voilà, Marc. Et puis, bah, autrement, ici, bah, mes conditions de trafic, là, Marc, c'est le CRT 9900, là, avec son micro d'origine. Et puis, je suis avec une antenne filaire, hein, de ma fabrication, là, OM. Donc voilà, tout simplement là, hein, tout simplement, et je suis avec 10-15 watts de modulation là, marque QSL. Pour le sud-ouest et Normandie là. Et bon après les propagations d'été, ça c'est un peu favorable aussi là pour faire à ces distances là. Quand ça veut le faire, il n'y a pas besoin de grand moyen là. Ok Fredo, oui ici c'est pareil. Hein. C'est pareil ici, le 2785, enfin, le canal 19, tout ça, ici c'est complètement abandonné depuis des années. Qui vont dessus d'ailleurs, et on voit plus personne d'ailleurs avec même une station mobile, on voit rarement des véhicules équipés de mobile, hein. À part ceux qui font de la radio comme moi, pour avoir juste un point d'écoute là, et le point d'écoute ils l'ont toujours sur le 3x5, mais après le canal routier, ici c'est complètement abandonné. Déjà niveau radio ici il n'y a plus grand monde, hein. On est dans un rayon là, de 40 km, là on doit être grosso modo 6-7, il n'y a plus grand monde, du moins
un BMW, quoi, du moins. Voilà, hein. Voilà, hein, ça, il y a quelques années en arrière, là, il y avait beaucoup de monde, bah, c'est bon, là, ça faut remonter à très très longtemps, là, quelques décennies, là, au moins deux décennies, là. Là, il y avait beaucoup de monde. Mais là, maintenant, c'est fini tout ça, là. Voilà, Fredo, ouais, ok pour les conditions, ok pour l'antenne filaire. Peut-être qu'il n'y a pas possibilité de mettre autre chose, là, mais bon, autant faire ce qu'on peut, hein, du moins, hein, peut-être que c'est le seul moyen que tu as, là. Autrement, un petit antenne, tu peux utiliser autre chose. Ça fonctionnera aussi bien qu'une filaire et qui sera un peu plus, du moins, directive. Voilà. Je dirais tout à l'heure ce que tu peux utiliser. C'est bon, c'est une chose. Je perds Marc, hein. Ouais, Marc, je reprends le micro, hein. J'entends que tu parles un tout petit peu, mais franchement, ça a chuté, hein. Ça a chuté. Je sais pas, à mon avis, tu dois plus m'entendre non plus, hein, je crois pas. Moi, ça y a chuté de mon côté. Donc voilà, Marc, je te fais un retour micro pour voir si tu m'entends et autrement, bah, ma foi, on verra, hein. On verra, mais si ça passe plus, bah, ma foi, on mettra fin au QSO là, Marc, hein. Je suis sincèrement désolé, mais c'est dommage parce que là, c'était bien sympathique, hein. Voilà, Marc, retour micro là pour voir si ça remontait. Bon, ça part. Bon, bah, tant pis.